Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à votre capsule d'information économique. Voici le taux du jour. Le taux de référence de la BRH pour la journée du 5 août 2022 est de 118 gourdes, 0,904 pour 1 $. Le taux moyen d'acquisition pour la même journée est de 121 gourdes, 35,97 pour 1 $. À la clôture du marché le jeudi 4 août 2022, le baril de WTI était à 88,50 $, soit une baisse de 2,3%. Au 30 juin 2022, le taux de référence a atteint 113 gourdes 84 pour 1 $ américain contre 104 gourdes 88 pour 1 $ américain en mars, marquant une dépréciation de 7,9% de la gourde, informe la BRH dans sa dernière note de politique monétaire. Cette dépréciation de la gourde intervient en dépit de l'amélioration du solde commercial et des interventions de la BRH sur le marché de change de l'ordre de 154,11 millions de dollars américains sur le trimestre. Cuba s'attaque au marché informel de change via le système bancaire public qui a décidé jeudi de fixer un nouveau taux de 120 pesos pour 1 $ américain, soit 5 fois plus par rapport au taux fixe officiel de 24 pesos pour 1 $ et supérieur aux 115 pesos pour 1 $ sur le marché informel. Cette décision vise à saper le marché monétaire informel et à capter les devises. Les représentants des 13 membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs 10 partenaires ont convenu jeudi d'augmenter la production de 100 000 barils par jour pour le mois de septembre. Les prix ont aussitôt remonté car cette hausse dérisoire n'aidera pas à surmonter la crise énergétique actuelle. Fin de la rubrique Profinfo, merci de votre écoute et bon week-end. Profinfo, une courtoisie du groupe Profin.